Et bonjour à tous, bienvenue sur ce cours magnifique de Damien Rice, The Blower Daughters. Je vais attendre que tout le monde soit là. Si vous prenez ce cours en replay, merci de l'avancer d'une petite minute ou deux. Le temps pour moi d'envoyer le lien aux élèves qui veulent faire le cours en direct. Allez, pendant que tout le monde se connecte, je vais remettre un peu de lumière à la caméra. Qui n'a, voilà, hop. Voilà, qui devrait éclairer un peu plus au moment. Le temps que tout le monde se connecte, je vais vous faire écouter la chanson, remettre la chanson en tête. C'est parti. Peut-être après la pub, non? Pas de pub. The Magnifique. sun is like you said it would be. Oh là là. Life goes easy on. Bonjour, bienvenue à tous. Accordez-vous hein, le temps pour moi de m'accorder aussi. Salut Henri. Thank you.
Allez, c'est reparti. Oh là là. On va revoir les images du film. Alors, on avait vu un petit peu, c'est très sombre, je ne sais pas pour vous, mais chez moi, c'est très sombre d'un coup. Il n'y a pas de raison du tout. C'est moi qui ne vois plus rien. Je suis en train de perdre la vue. On avait vu deux formes d'accords jusqu'à maintenant. On va les revoir un petit peu, vite fait, bien fait. On va faire une petite révision sur ces accords-là un peu particuliers qui, au départ, ont une forme de mi majeur, mi majeur, en passant l'accord de 3 dans la case 1 et les cordes 5 et 4 dans la case 2. Ça, c'est un mi majeur. On avait dit que selon la case où était joué ce mi majeur, si on décalait, ça pouvait fonctionner avec le reste des cordes à vide. Parce que là, je vous rappelle qu'on pince les cordes 3, 5 et 4, que les autres sont joués à vide. Donc, il y a des cases où ça va marcher, un petit peu comme Georges. Il y a des cases où ça ne va pas marcher. Genre, ça marche à peu près là, mais dès qu'on arrive, ça va, ça passe, là, ça ne va plus. Il y a des cordes à vide selon les accords, et ben, ça ne sonne pas. Donc, on avait vu que ça marchait très bien dans la case 1, puisque c'est un mi majeur et que vous connaissez bien cet accord. On avait vu que ça marchait très bien dans les cases 6 et 7. Alors, il faut visualiser que quand vous faites cet accord de mi majeur dans les cases 6 et 7, c'est comme si vous aviez fait le barré, mais sans l'index qui barre. Un petit peu comme Raymond. D'accord ? On est dans la politique aujourd'hui. Donc, c'est comme si vous aviez fait le barré et ce barré-là, dans la case 5, 6, 7, c'est un La majeur. D'accord ? Tout le monde le savait. Eh bien, quand vous enlevez l'index, ça reste un La majeur. Ce que vous jouez là, c'est un La, mais il y a des petites notes en plus. Alors, vous avez là, un Mi aigu, un Si aigu. Vous avez un Mi grave, mais qu'on peut jouer, mais on va éviter. Déjà, on lui a mis un Si, en fait. Hein. Parce que dans l'accord de La, c'est La, Do, Mi. Les trois notes qui composent l'accord de La majeur sont La, Do, dièse, Mi. Donc, là-dedans, vous avez déjà du La, Do, dièse, Mi. La, Do, dièse, Mi. Tout va bien. Si je rajoute un Si, ici, eh ben, en fait, ça fait un La, 2. Puisque c'est la deuxième note qui a été rajoutée. Sauf que nous, il est quand même plus aigu le Si qu'on rajoute ici. Donc, ça me fera un La 9, un La 9e, puisque c'est la deuxième note à l'octave. Donc, ce n'est pas la deuxième, mais ce sera la 9e. J'espère que vous avez suivi. C'est un très joli La, en tout cas. Un très joli La. On est au mois de mai, muguet, lila, très joli là. C'est pour moi. Ça marche très bien dans les cases 6 et 7, ça marche très bien dans les cases 8 et 9 aussi. Pourquoi ? Parce que là on a un Si. Si on fait le grand barré, on a un Si, ben, ça tombe bien puisque l'accord à vide là c'est un Si. Et que l'accord de Si, c'est Si, Ré dièse. Fa dièse. Donc on a du Si, du Ré dièse et du Fa dièse. Ah, on a rajouté un Mi. Si, Ré dièse, Fa dièse, Mi. Alors lui, ça fait... Il est très joli, c'est très très joli. C'est la quatrième note qu'on a rajoutée. Donc, à l'octave. Quatrième note à l'octave. 7 plus 4, 11. Ça nous donne un Si, 11. Si 11. Très joli. Je crois qu'il est aigu, hein. Ouais, c'est quand même la 11e note, c'est pas la 4e. Non, c'est la 4e. Elle est plus grave, celle-là, du coup. Du coup, c'est un Si 4. Peu importe. L'essentiel, c'est d'arriver à faire les accords. Non pas avec les doigts conventionnels, c'est-à-dire les doigts qu'on utilise d'habitude, le premier, l'index, pour pincer l'accord de 3,
et l'annulaire et le majeur pour passer le 4 et 5. Mais vous allez utiliser, comme si vous vouliez faire un barré, vous allez laisser votre index tranquille, on en aura besoin plus tard. Et vous allez utiliser ces trois doigts. C'est une petite habitude à prendre. Salut Anne. Donc, petite habitude à prendre avec cette position-là, d'accord. Comme un mi majeur, sauf qu'au lieu de jouer avec ces trois doigts conventionnels, je joue avec les trois derniers doigts. Vous allez voir pourquoi après. J'avais expliqué lors du premier cours que y a des guitaristes qui utilisent beaucoup ces accords-là, plus que d'autres, notamment le chanteur de Coldplay joue beaucoup comme ça. Et là, c'est le cas de Damien Rice pour cette chanson. Donc la chanson, elle commence, on revoit vite le couplet vite fait, avec un mi majeur. Donc on est à la case 1 et 2. And so it is. Après, vous allez en la. Donc c'est la même position que vous faites dans les cases 6 et 7. Attention, il ne faut pas décoller les doigts. Il ne faut pas faire ça, hop, je décolle et je recolle. Non. Je fais glisser le long de mes cordes. Hop, je garde la position, je glisse comme un petit train sur les rails, on avait dit. Pour arriver à la case 6 et 7. Le troisième accord, c'était un Si. Dans les cases 8 et 9, le même accord. Donc ça faisait Mi. And so it is. Lâchons là. En Si. Je retourne en La. En gros, vous devez faire demi, de La, un Si, un La, un Mi. Au niveau du rythme, c'est hyper simple. Alors lui, il joue avec les doigts, avec le pouce comme ça. Il fait très doux, hein, puisque la chanson, c'est une, c'est une catastrophe émotionnelle. Hein. C'est, bon, voilà, donc du coup, on n'est pas dans l'attaque du médiator comme si on jouait un morceau d'ACDC. Hein. Ba, 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 oh, oh, ba. Ba, 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 oh, oh, ba. Ce sera le rythme. Ba, ba, ba. Je vérifie quand même avec lui. Je vérifie pour voir s'il ne fait pas une toute petite variation. Voilà, il a joué en direct. Thanks for coming out. Alors c'est plus ba ba au bas au bas. Autant pour moi. Ba ba au bas au bas. Ba ba au bas au bas. Ba. Oba, oba. Je suis dans les cases 6 et 7. Baba, oba, oba. 7 et 8 et 9, pardon. Je reviens en 6 et 7. Et on va prendre quelques minutes pour faire ce premier couplet. Allez, on y va ensemble. On fait le mi deux fois. Après, on se déplace dans 6 et 7. Quand ce sera 6 et 7, je vous dirai que c'est un La. Et quand ce sera 8 et 9, ce sera un Si. À mémoriser par cœur. Hein. Ok, La, Si, Mi. Pour l'instant, on n'a que ces trois accords. 3, 4 et Mi. Ba, O, Ba, O, Ba. Encore un Mi. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba. On va en 6 et 7 en La. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba. On en fait deux. Ba, Ba, O, Ba, O, Ba. On va en 8 et 9. On n'en fait qu'un. On revient en 6 et 7. Seul et on revient en mi pour deux. Ça c'est pour Anne. And so it is. Like goes easy for me. On recommence la même chose. Et deux.
en demi. On va aller en 6 et 7. En la, et la, la, au bas, au bas. Et la, la, au bas, au bas. En 8, 9. Et la, la, au bas, au bas. En 6, 7. Et en mi. Allez, prenez deux petites minutes. Vous le faites à votre vitesse. Vous me dites si vous n'avez pas compris des trucs que je voulais que je vous réexplique, que ce n'est pas français ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Et puis, dès que ça marche, vous me le dites aussi et on passe à la suite. It would be lyrics. Qu'est-ce qu'il dit de beau dans sa chanson? Moi, j'ai bien compris le sens, mais je sais pas les paroles quand même. The Blower Daughters. La fille du souffleur. Ça marche pour Anne, nickel. Ah ouais, oh là là, c'est triste ce qu'il raconte. And so it is. Just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. Intérêt de se bouger, sinon il va en avoir une autre. Non, là, il est après. Là, il y a eu rupture. Et là, il dit, voilà, and so it is, just like you said it would be. Et alors, c'est comme ça, c'est comme tu disais que ce sera, que c'était. Ouais. Life goes easy on me. La vie va être simple pour moi la plupart du temps. And so it is the shorter story. Donc, c'est ça, l'histoire la plus courte. Pas d'amour, pas de gloire, pas de héros dans son ciel. En gros, elle n'a pas compté pour lui. Et il can text his eyes offer, hein, quand même. Donc, hein, un peu maso le type. Bon, bref. Ça nous est tous arrivé. C'est très beau, c'est très beau. Oui, c'est très triste, mais très beau. Bien sûr. Bon, premier couplet, je récapitule, demi, avec un petit bas, bas, au bas, au bas, on passe en 6 et 7, de là, toujours le même rythme, bas, bas, au bas, au bas, on passe en 8 et 9, un seul, si, on revient en 6 et 7, et on revient en mi, 2 pour 2. On a fait le premier couplet. Commence le deuxième couplet pareil en mi demi bas bas au bas au bas 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 demi comme le pain attention de là un seul si non deux si pardon puisque c'est là au deuxième couplet c'est le deuxième couplet mnémotechnique deux si et on va monter pour un nouvel accord. Alors, nous avions vu la position majeure. Quand on fait le mi majeur, comme ça, c'est une position majeure qui correspond à l'accord du barré. Mais il existe aussi la position mineure. Alors, je prends l'exemple du la. Et là, on fait une petite parenthèse. On se pose deux minutes, c'est très important de ne pas aller vite et de bien comprendre. Si j'ai le grand barré, ici dans la case 5, 6 et 7, je suis en La.
Je décolle mon index. Je suis toujours en La. On a dit que c'était un La 9. Magnifique. Maintenant, si je veux passer sur un La mineur, bah, il faudra que je refasse mon barré et que j'enlève le majeur du milieu. Là, je suis sur un La mineur. Mais si je veux garder un petit peu cet esprit d'accord où je ne joue pas toutes les cordes, je ne vais pas barrer toute la case. Je vais barrer juste les trois premières cordes ici. Et sur 5 et 4, je garde mes deux doigts que j'avais mis pour le fameux majeur avec la position de mi majeur. Ça donnera La mineur, La 9. Il faut faire un mini barré, comme le grand barré, mais juste sur les trois cordes du bas. Ok, ça c'est pour la position mineure. Alors lui, du coup, bah, c'est ce qu'il fait ici. Mais en plus, eh ben, selon les cases, la position mineure, vous n'aurez pas besoin de barrer toutes les trois cordes du bas, mais seulement la troisième. Et là aussi, comme par magie, selon l'accord sur lequel vous tombez, selon les cases sur lesquelles vous allez, ça va marcher. Et ça va faire un joli son. Et ce joli son, eh ben, c'est ce qu'il utilise dans sa chanson. Et c'est pour ça que cette façon de jouer de la guitare est sympa, parce que ça donne des accords riches en enlevant des doigts, donc en ayant des positions plus faciles. C'est la fin de son deuxième couplet. Il a fait demi. Il a fait deux là, en case 6 et 7. Il a fait deux si. Et on est monté de deux cases encore, mais au lieu d'avoir majeur, mineur. Sachant que la tierce est sur la corde 3, mnémotechnique, tierce 3, corde 3. À la place d'avoir mon majeur sur la position de mi de d'habitude, eh bien vous mettez l'index une case avant. Ça vous donnera corde 3, case 9, et corde 5 et 4, case 11. Si tout le monde a bien compris, quel est cet accord mineur que je suis en train de jouer là? Je vous donne des astuces, parce que je fais un coup la position de la chanson, un coup le barré qui correspond. Alors, je joue quel accord là? Je vous aide un petit peu. Mi. Fa dièse. Sol. Sol dièse. La. La dièse. Si. Je ne peux pas vous aider plus, parce qu'après, si. Bravo Henri, Do dièse mineur. Do majeur et Do mineur sans le majeur. Eh bien oui, alors là, si on fait toute la position, on est en Do. Alors on est, attention, en Si, on était dans la case 7, dans la 7, 8, 9, vous êtes en Si. Donc 8, 9, 10, vous êtes en Do, parce qu'il n'y a pas de Si dièse. Hein. Et du coup, 9, 10, 11, vous êtes en Do dièse. Si on gardait la position du Mi majeur, on serait en Do dièse majeur. Mais ça ne marche pas avec les cordes à vide. Et c'est pour ça qu'il fait un Do dièse mineur. Et d'ailleurs, c'est l'accord de la famille, hein, des accords qu'il utilise. Donc, Do dièse mineur, bravo. Bien, bien. Vous êtes plusieurs à avoir trouvé la réponse. Angélique, je sais que tu ne l'as pas donnée parce que tu ne voulais pas la dévoiler aux autres trop prématurément. Et bien, il finit par ça, ce Do dièse mineur comme ça. Corde 3, case 9, corde 5 et 4, case 11. Ça, c'est la fin de son deuxième couplet. Petit récapitulatif rapide. Premier couplet, demi. Bah, je savais que j'avais déjà. De là en 6 et 7. Un si en 8 et 9. Un la en 6 et 7, demi pour clôturer mon couplet.
so it is. Et on commence à notre couplet. Bah, on va avec demi. Un gros bisou à Erin et à Marie, à toute la petite famille. Et là, deux dièses mineurs. J'aimerais bien que tu sois là, Marie, pour chanter avec moi. Est-ce que c'est bon pour les couplets? Can't take my eyes on you. On va faire le refrain. I can't take my eyes on you. Can't take my eyes off 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 you. Ça va les couplets? Bon pour les couplets, nickel. Les refrains. C'est parti pour les refrains. On est dans les temps. 26 minutes 39, impeccable. Donc, on a fini comme ça en do dièse mineur. On est monté dans les aigus. Lui aussi, il monte avec la voix. I can't take my eyes. Et là, quand on allait à I can't take my eyes, c'est le refrain. Le refrain, il commence en la. Tout simplement. Can't take my eyes off you. Donc la position de la, je rappelle, c'est la position de mi majeur dans les cases 6 et 7. Can't take my eyes off you. C'est le premier accord. Puis il fait une descente. Donc après le la, on recule d'une case, mais attention, ça passe en mineur. On ne l'avait pas vu celui-là, mais c'est exactement la même position que vous utilisez pour le do dièse mineur, là, pardon. Sauf que vous êtes dans les cases 4 et 6. Alors, je remonte. Hein. Le premier « Can take my eyes off you », position de mi majeur dans la case 6 et 7, c'est pas du tout. Hein. Je la chante très très mal, comme toutes les autres chansons d'ailleurs. Je ne suis pas chanteur, mais j'aurais bien aimé. Hein. Ça m'aurait plu, mais non, je ne chante pas assez juste et pas assez bien. Tu me fais rire, Anne. Je t'imagine. J'aime bien... Premier accord, c'est un la. Ok. Le deuxième, vous descendez, vous faites glisser, mais sauf que au lieu que ce soit d'une case, on recule d'une case vers les graves. Hein. Il y en a qui vont dire on monte sur le manche, mais moi je recule vers les graves. Et là, à la place d'avoir le majeur qui pince la corde 3, vous prenez l'index une case avant. Donc ça veut dire que la corde 3 est pincée en case 4 et que les cordes 5 et 4 sont pincées en case 6. Et là, vous pouvez jouer les autres cordes à vide. Parce que ça marche dans cette case à la position mineure. Sol dièse mineur. Oh, c'est gentil, mineur. Attention, restez concentrés, un peu comme le nez. Je descends la même position de deux cases. C'est ça qui est super joli dans cette chanson. C'est que, avec ces accords riches, c'est beau ça, hein? On passe du sol dièse mineur quelque chose, on pourrait trouver ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est, sol dièse mineur. Et là, on a rajouté un si dedans. Il est déjà dans l'accord de sol dièse mineur. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Un mi. C'est un sol dièse mineur 6. Aux petits oignons, celui-là. La même position en case 2 et 4 pour le fa dièse. Magnifique. Qui lui est septième. Non, ils sont là comme un septième. Pourtant, on lui a mis un mi et c'est un fa dièse. Ça va pour celui-là, d'accord, le fa dièse comme ça. I can't take my eyes off you. On va en mi pour le... On en est au combien? On a fait le premier en la. Premier accord, c'est un la. Deuxième, sol dièse mineur. Troisième accord, fa dièse mineur. Quatrième accord, mi majeur.
ce qui est joli, c'est qu'il a fait 4 accords, il aurait pu s'arrêter là, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est remonté en La. Can't take my eyes. Il est remonté en Si. Il est redescendu en La. Can't take my eyes. C'est ce qui fait que c'est super beau, parce que c'est pas logique. On aurait dû avoir 4 accords, fermer la boutique, le refrain est terminé, je passe à la suite. Mais là, il a surpris tout le monde à cette époque-là. Ça ne se faisait pas beaucoup, ça. D'accord, il a fait un premier accord en Do-La. Can't take my eyes off you. Il garde à peu près le même chant, hein, chant un petit peu. Après, il a fait la famille en descendant, on devient mineur, en sol dièse. En fa dièse. En mi. Comme si on continue à redescendre, mais on ne peut plus à la guitare. Donc. On revient en La. Il monte en Si. Ça, il nous en manque un. I can't take my eyes. Il résout sans résoudre. Et sur le dernier, il fait. Alors, il fait. Donc, il va faire son dernier là. I can't take my eyes. Ah oui, sur le dernier, il fait. Donc, il fait la rythmique tout doucement, comme ça. Il fait. Au bas, au bas. Et sur le deuxième rythme, il fait bas, bas, au bas, au bas. Et le dernier bas, c'est un si. Donc ça fait la, la, au bas, au bas. La, la, au bas, au si. Et il repart sur deux autres couplets. Et vous me dites si le refrain s'est assimilé? Changer les accords. Surtout qu'il n'y a pas de rythme. I can take my eyes. I can take my eyes. Allez, vous me dites si vous avez besoin de plus d'explications. Pour ce refrain, ou si c'est bon pour vous, si c'est ok, on passe à autre chose. Ça va pour Anne? Allez, on avance un peu. Donc, on a fait ce magnifique refrain, La, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur, Mi, La, Si, La. Il repart pour un couplet avec la même chose, demi. Après, on le fera avec lui. Hein. De La. Si, La, on revient. Deuxième couplet, toujours le même. Sol, demi. Là, il s'en regarde au niveau du chant, c'est impossible à faire. De La, de Si, et deux Do dièse mineur, n'oubliez pas. Monter dans les aigus et le refrain can take my eyes off you. Toujours le la, pardon, toujours le sol dièse mineur, can take my eyes off you, le fa dièse mineur, can take my eyes off you, le mi, on va retourner en la, can take my eyes off you, en si. Dans La, pour faire La, La, là il va changer de tonalité.
Alors, à ce stade de la chanson, rentre une voix féminine dans la version originale. Quand il est tout seul, il ne le fait pas, bien sûr, parce qu'ils n'arrivent pas encore à se dédoubler en femme. Mais il fait des vocalises un petit peu. Mais dans la version originale, on retrouve la voix de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas vérifié si c'était sa fille ou une copine ou un plan mythique, je ne sais pas. Mais une jeune femme chante. Je propose de jouer la chanson avec lui du début jusqu'à ce passage-là que nous allons voir en détail puisqu'il reste exactement 25 minutes et c'est le temps parfait que j'avais calculé pour faire ce dernier passage et que ce cours soit magnifique et complet. So it is. Lui, il a une belle voix. Attends, je ne veux pas. Comment gagner beaucoup d'argent avec une chanson? Je ne me rappelle plus le titre du film, mais oh là là, comment, qu'est-ce que c'est que ce film? Je vais vous le retrouver d'ici la fin. J'ai envoyé un message à mon ami à qui le connaît par cœur. Mais magnifique film à voir. Natalie Portman, Julia Roberts, Jude Law et je ne sais plus le nom du quatrième acteur, mais exceptionnel film. Vous êtes prêts? Attention, on le joue avec lui. So ni. Just like you said it would be. Life goes easy. Si. Là. Closer, bravo. Refrain. Là. On a le temps de changer. Sur le dièse mineur. La dièse mineur, la même position qu'as 2 et 4. En mi majeur. Remontant là, case 6 et 7. Et si, 8 et 9. En la. La coupe 6 et 8. On recommence. Yeah.
attention, on est arrivé jusqu'au passage. Et là, ça va changer de tonalité et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Changement de tonalité. Ah, il y a un bug, mince. Non, c'est moi qui ai bugué ou c'est toi qui as bugué? Moi, j'ai pas de bug à la maison. C'est impeccable. La diffusion est magnifique. Alors, nous étions en mi majeur pour faire le couplet. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Un grand classique dans les chansons pour faire le pont. Vous savez que dans quasiment toutes les chansons, il y a un pont. C'est un passage où les accords changent, en gros. Eh bien, il y a une façon de faire le pont qui est traditionnelle dans la musique, souvent respectée, on monte d'un ton. Voilà. Rien à voir avec la chasse sous-marine, Steph, mais on monte d'un ton, c'est-à-dire qu'on était en mi, et au lieu de rester en mi, ben on va passer en fa dièse. Si j'étais monté d'un demi-ton, d'une bonite, je serais passé en fa. Mais là, je suis monté d'un ton, donc je passe en fa dièse. Et du coup, il va jouer ses accords de changement de tonalité aussi d'une façon un peu one again. C'est le but de ce cours, c'est de voir les accords d'une autre façon. Au lieu de faire le grand barré de fa dièse, la case 2, 3, 4, Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va faire un petit peu la même façon qu'on a utilisé tout le long. C'est-à-dire qu'on va garder à nouveau cette position-là de mi majeur. D'accord? Sauf qu'on va la mettre déjà dans les bonnes cases, cette position de mi majeur. Pour le coup, on est monté d'un ton, donc de deux cases. Donc, vous vous retrouvez dans les cases 3 et 4. Mais là, les cordes à vide... Les cordes à vide ne marchent plus, donc il va falloir pincer ces deux cordes à vide avec l'index. On va faire un mini barré dans la case 2. C'est un accord difficile à jouer. Et je vous rappelle, c'est un morceau de niveau 3, donc qui taquine un peu sa mémé. Donc il faut faire un mini barré sur les cordes 1 et 2. Et puis après, vous faites votre position de mi avec les autres doigts. Vous pouvez utiliser le pouce pour vous installer confortablement sur cette position. Il faut avoir les doigts un peu arrondis, mais pas trop. Et voilà notre premier accord qui est joué deux fois. Fa dièse, majeur. Après, il passe en si. Alors, lui, il fait comme ça. Lui, il fait le fa dièse comme ça. Le si comme ça, en petit barré majeur. Et oui, là, je sais, certains d'entre vous vont pas être contents, mais je vais vous donner des raccourcis. Le petit barré majeur de si, il faut pincer la case 2 en barré, corde 5, 4, 3, 2, 1. Et dans la case 4, il faut pincer les cordes 4, 3, 2 avec un seul doigt. Alors lui, dans la chanson, on voit, il fait une position one again, il met deux doigts ici. Mais bon, il a dû apprendre à faire le si comme ça. C'est pas terrible. Moi, je préfère soit un seul doigt, soit quand vous allez faire le si majeur, bah, à la limite, il vaut mieux mettre comme une position de la majeur sur les cordes 4, 3, 2 dans la case 4. Parce que là, ça va un petit peu mieux marcher comme ça.
sur toi comme ça. C'est pas terrible la leçon 1. Parce que là, si vous touchez celle-là, c'est pas beau du tout. Essayez de faire le petit barré majeur. Elle a une logique, sa montée. En fait, il fait un accord comme ça. Fa dièse majeur. Si. Après, il fait sol dièse. Comme si vous faisiez le sol dièse majeur, mais là, c'est obligé qu'il soit mineur. C'est le celui de tout à l'heure. Donc là, pour le coup, vous pincez 3, 2, 1, mini barré dans la case 4. Et dans la case 6, vous pincez les cordes 5 et 4. Donc je remonte parce que ce n'est pas évident à mémoriser. Fa dièse majeur, si majeur, sol dièse mineur, do dièse majeur. C'est le même petit barré majeur que le si de Casculant. Vous voyez la logique qu'il a utilisée ? Il a fait un accord comme ça, tac, un mini barré majeur. Un accord comme ça, mineur, un mini barré. Pour finir avec un accord comme ça, sauf que celui-là aussi il est mineur. Je vais vous les remontrer parce que c'est le passage le plus difficile et assez technique de cette chanson. Fa dièse majeur. Si majeur, ouais, je vais les écrire. Sol dièse mineur. Dièse majeur, Ré mineur, on peut faire aussi comme ça, si on joue pas la 4. Donc ça c'est la montée, et après il reste qu'une petite descente. Je vais vous écrire cette montée avec la position des cordes à utiliser. Alors, le pont. C'est bien de l'appeler le pont. Le pont. Donc, fa. Égal. Alors ici on a croix 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2, croix 4 4 3 2 2. Voilà la position du premier accord de fa dièse. Ensuite on a si. Et le si, c'est croix 2. Quatre, quatre, quatre. Croix. Ensuite, vous avez, on a dit, le sol dièse mineur. Sol dièse mineur. Quand je mets un petit M, c'est mineur. Sol dièse mineur. On a croix. 6, 6. 6, 6. Quatre, quatre, quatre. D'accord. Ensuite, vous avez le do dièse majeur, donc do dièse. Et le do dièse, la position, c'est croix, 4, 6, 6, 6,
Et le dernier, c'est Ré mineur. Ré mineur. Ré mineur, merci. C'est le Ré mineur de tête. Est-ce que je l'ai de tête ? Croix, 5, croix. Non, lui le joue différemment. Le Ré mineur, il le fait comme ça. Alors, je vérifie. La dièse, c'est OK. Sol dièse mineur, Ré mineur. Là, il le joue. Donc c'est Ré dièse mineur le dernier. Je dois vérifier avec la chanson si c'est majeur ou mineur. J'ai un doute. Le doute m'habite. Donc ça va être croix-croix. Six, huit, huit, sept, six. Donc le dernier accord. Ré dièse mineur, croix-croix. On a dit 8-8, 7-6. Voilà pour cette montée qu'il faudra travailler hein, parce qu'elle ne va pas marcher comme ça en claquant des doigts. C'est un peu difficile. Le dernier refrain, du coup, il est un ton plus haut. Toujours pareil, on reste plus haut. Je ne vais pas tirer la feuille parce que la caméra est posée dessus, qu'à tout moment, elle va voler. En tout cas, on a fait cette montée-là. Je la répète une petite fois encore pour que vous l'ayez en tête. Il faudra la travailler. Fa dièse majeur. Si majeur. Sol dièse mineur de cette façon-là. On ne joue qu'une fois. Do dièse majeur. Et là, vous pouvez faire le petit barré pour le Ré mineur. Et là, on va retrouver notre position de Si, comme on faisait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous êtes en case 8 et 9 avec l'empreinte du Mi majeur. Et le dernier refrain, I can take my. Pourquoi ça ne marche plus ici? Ça marchait tout à l'heure. Sur ce si-là, le si de la fin, il faut éviter de jouer la première corde.
D'accord. Can't take my eyes over you. On est en si. On va passer en si bémol mineur, c'est-à-dire vous reculez d'une case, comme on faisait tout à l'heure. Et là, pardon, on est obligé de tout barrer ici. Je vais vous les noter celui-là aussi. Si majeur. Si bémol mineur comme ça. C'est-à-dire que je prends les 3 du bas là, je pince la 3, 2, 1 dans la case 6. Et je pince 5 et 4 dans la case 8. La bémol mineur le même, 2 cases plus bas. Fa dièse le même, mais il est majeur, je rajoute le majeur ici. Après, j'ai noté un si basse de do dièse. J'ai noté un si basse de do dièse. Ça veut dire que... Il va rester comme ça, il va faire celui-là alors. Petit accord, je vérifie avec la chanson de voiture et je vous les note. Et je vous les remontre surtout. Le même deux cases plus loin, la bémol mineur. Le même deux cases plus loin, mais en rajoutant le majeur sur l'accord de 3. On n'entend pas bien sur cette version. Je vais l'enlever. En plus, on voit Nathalie Portman qui pleure à la fin. Je vais pleurer moi aussi. Alors, hop. Thanks for coming, Alice. Hop. I can't take my mind off you. Si do dièse si, pardon, j'avais mal écrit sur ma feuille. Donc le dernier refrain, c'est si, case 8 et 9. Can't take my eyes off you. Alors là, on va utiliser cette position pour faire le si en fait. Voilà, j'ai vu sur la vidéo, c'est comme le barré. Il fait le barré, donc grand barré dans la case 7, 8, 9. Sauf qu'au lieu de tout barrer ici, il barre juste les cordes du bas. Donc la 2 et la 1. Après la 3, c'est avec le majeur, et la 5 et la 4 comme ça. C'est pas évident à faire comme position. Vous pouvez faire le grand barré si vous voulez à la place. Après, on va descendre d'une seule case, d'un demi-ton. On enlèvera le majeur pour avoir un si bémol mineur. On va descendre de deux cases avec la même position, la bémol mineur. Puis fa dièse. Après, il fait un si. Can't take my... Un do dièse. Donc petit barré majeur de si. Le même deux cases plus loin pour le do dièse. Can't take my... Il finit en si. C'est la fin. Et il ne résout pas. Contrairement à Derrick, il ne résout pas sa chanson.
Parce qu'à la fin, on aurait pu faire si. Can't take my life. Si. Si. C'est pas bien. Mais non, il y a le temps plus haut. Ça aurait été fa dièse. Si on avait voulu résoudre, on aurait résolu, résolvé, résolu en fa dièse. Je montre la descente pour qu'on on le visualise bien de l'oreille. Donc on a un si, si bémol mineur, la bémol mineur, fa dièse, puis si, do, puis si, fa dièse. Si on avait voulu terminer la chanson en beauté, on aurait fait ça. Mais il ne fait pas le dernier fa dièse. Et comme ça, il laisse une tension dans l'air infinie. Il ne résout pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je n'ai pas l'impression de me faire comprendre. Mais ce n'est pas grave, moi je me comprends. C'est déjà pas mal. Il y a bien, non, de se comprendre soi-même. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Tout va bien, là. Allez, dernier petit refrain, je vous le note. Ça fait 1h02, il ne faudrait pas abuser non plus. Hein. Si majeur. Grand barré dans la case 7, 8, 9. Si bémol mineur, grand barré, une case plus bas. La bémol mineur, le même, deux cases plus bas. Moi, j'aime bien visualiser l'oreille, moi. Fa dièse. Grand barré dans la case 2. Can't take my eyes. Si majeur, do dièse direct. Yeah, can't take my eyes. Il laisse un si. Incroyable. Moi, ça me bouleverse complètement. Je suis complètement bouleversé là. Je vais m'acheter la soupe de pistou chez Picard. Il ne me reste plus que ça à faire. Allez, je vais vous faire la feuille. Ça ira plus vite que de vous les écrire là. Je vais vous faire la feuille ce week-end de ce morceau magnifique. Entraînez-vous. La première partie est facile. La deuxième, difficile, technique. Mais c'est des trucs à bosser très importants. Des positions d'accord one again. Ils sont vraiment pas faciles à enchaîner. I can take my hands. N'oubliez pas le dernier. Ouais, c'était un cours un peu à la One Again Beast to Fly, mais ça fait du bien. Hein. Allez, plus que 3 jours et on est déconfiné. Et après, on sera free confiné. Free confiné. Bon, je vous fais la feuille au plus vite. Prenez soin de vous. Travaillez un petit peu ce week-end. Jouez de la guitare. On se retrouve très vite. Voilà, moi, je vais partir couper du poids dans la forêt. Impeccable. Parfait. Ça, c'est nickel. Après, au bout du, je ne sais pas combien, 53e jour, je ne sais plus combien de jours de confinement, toi, tu fais des trucs complètement improbables. C'est tout à fait ça. Moi, je vais aller ranger la plage un peu. Je vais nettoyer les grains de sable un par un. Allez, bisous, bon week-end à tous et je vous dis à très vite. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.